Good morgen, allez, Iden, les tutsera aujourd'hui, le Lulunishmat, Shimon ben Eliou, Vekuka, Amram Yona ben Chana, ainsi que deux fois, Tolé Vesrena, Shimon ben Chaya Esther, Inon Chai ben Jessica, et Etel Myriam Lea, Bat Sarah Betor, Shar Chole Israël. Si vous savez, vous êtes dédié une prochaine étude de Mishnah, côté 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Psachim Perek Bet Mishnah Gimel. Nochri Shehilva et Yisrael al Chametzo. Achara Pesach Mutar Behana. וישראל שאילה את הנוכרי על חמצו, אחר הפסח אסור בענה. חמץ שנפלה עליו מפולת. הראו כמבואר, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שן הכלב יכול לחפש אחריו. דו סוג'י דונות משנה לפרומייה, אימפה לקונטינויטה דו סוג'י ווקייר, אסבר, לחמץ כפרטיין או גוי. אבק פלוס ופרסיזיון מנה, אבק ענקה פרטיקוליה, Nochri Shehilva, Nochri c'est un goy. Nochri Shehilva est Israël, un goy qui a prêté de l'argent à un Israël, al Chametzo, sur son Chametz. Ça veut dire quoi qu'il prête de l'argent sur son Chametz? En le prenant en gage. Et on va expliquer après quel type de gage, mais pour le moment donc, le goy, moi je suis juif bien sûr, lui il est goy, il m'a prêté de l'argent et moi je lui ai mis en hypothèque. Je le mets en hypothèque ou en gage, on expliquera mieux ensuite, du Hametz, dans une armoire par exemple, soit qui est resté chez moi, soit qui que je lui ai donné, on expliquera ensuite. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que Achara Pesach, Mutar Be'ana, après Pesach, eh bien ce Hametz, il sera permis à être en tiré profit. J'explique un brin un peu plus, soit, il faut bien comprendre, on avait appris dans la Mishnah précédente qu'il y avait le Hametz qui appartient au Goy. On ne transgresse pas, on interdit, on a le droit de le manger après Pessah. Le Hametz qui appartient aux Juifs, puisqu'on transgresse l'interdit de posséder, alors l'interdit de posséder du Hametz, donc il y a sur ça un knas, une amende que Hametz fait qu'on n'a pas le droit de tirer profit. Là maintenant on arrive dans un cas particulier où j'ai laissé, j'ai mis en mashkon, j'ai mis en gage, en garantie mon Hametz, je lui dis écoute, s'il y a un problème, tu viens, tu prends ces. C'est 100 kilos de pain ou de pâtes, tu viens et tu les prends en tant que gage. C'est-à-dire, moi, je lui dois 1000 shekels, et au pire, il prendra les pâtes qui sont chez moi. Donc, ils sont du vrai Hametz. Alors, la Mishnah me dit, bah, tu sais quoi? Si finalement, au final, tu as fini Pessah, j'ai pas payé ma dette, le goy est venu, il a pris le Hametz, apparemment, c'est ce qu'il a écrit, mais on va expliquer que c'est pas exact, mais le goy vient prendre le Hametz, il s'avère qu'en fait, le Hametz, il était engagé, il appartenait au goy depuis le début, il n'était pas à moi, en fait. J'avais peut-être la possibilité de le racheter, de payer de l'argent, et dans ce cas-là, de garder le Hametz. Et dans ce cas-là, ça aurait été un Hametz interdit. Mais si finalement j'ai laissé le goy venir chercher le Hametz qui était en gage pour la dette, eh bien finalement le Hametz, il appartenait au goy. En réalité, la Gemara explique qu'on parle pas de ce, on parle pas de ça. On parle de quelque chose d'encore plus fort. On parle du cas où le goy, il a pris les pâtes, par exemple, il les a prises chez lui à la maison en gage. D'accord? Parce que s'il les laisse chez moi, alors je transgresse l'interdit de posséder du Hametz. Parce que finalement, c'est quand même à moi aussi. C'est à moi et à lui en même temps. C'est entre les deux. Dans ce cas-là, je transgresserai l'interdit de posséder du Hametz. Là, on parle du cas où le goy, il a pris en gage chez lui. Alors, il est vrai que finalement, si au bout du compte, je vais venir et je vais payer au goy ma dette et qu'il va me rendre le Hametz qui était en gage à moi, il s'avère que rétroactivement, tout ce Hametz, il était à moi et j'ai transgressé l'interdit de posséder du Hametz. Mais si finalement, je l'ai laissé le prendre, il s'avère que depuis le début qu'il l'a pris, chez lui, il est devenu partiellement le sien. Quand il s'avère que ça restera le sien, eh bien, c'est du Hametz qui permet la consommation. J'ai le droit d'en manger, d'accord? Irhino etzlo, c'est rapporté dans le Martenora. Irhino etzlo, c'est qu'il a pris en gage et qu'il a, il a pris en gage chez lui à la maison, d'accord? Cas inverse maintenant, et on va parler du même cas. Et on va déduire plein d'alachot de là. Ve Israël, chez Ilva et Anochri al Hametz. Par contre, si c'est le Israël qui a prêté au Goy sur son Hametz. Mais avec la même histoire, je lui prête 1000 shekels, et je lui dis, bon, moi, tu mets le Hametz qui est là, tu le prévois pour moi, que si toutefois tu ne me payes pas, il est à moi. Tu n'as pas le droit de le manger, tu n'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. S'il y a la date prévue après Pessah, tu me rembourses, tu pourras récupérer, tu pourras garder ton Hametz, mais si toutefois après Pessah, tu ne payes pas, je récupère ce Hametz. Alors de nouveau, la Mishnah elle me dit, même problème. Si qu'en fait, la Mishnah me dit, après le Pessah,
Si Pessah passe et que finalement il ne paye pas la dette et je récupère ce Hametz, alors Assur Bana il sera interdit d'en tirer profit. De nouveau, là aussi, on parle du cas où j'ai pris le Hametz chez moi à la maison. Parce que si le Hametz, il est laissé chez lui à la maison, sans l'avoir pris, d'accord? Donc j'ai le Hametz, je l'ai laissé chez lui à la maison, même si je vais venir après Pessah pour récupérer ce Hametz, ce ne sera pas le mien malgré tout rétroactivement. Alors que si je l'ai pris chez moi à la maison, alors il s'avère que finalement, le goy, quand finalement il n'a pas payé, depuis le moment où je l'ai pris chez moi, il est devenu mon Hametz. Donc pendant Pessah, j'ai transgressé l'interdit de posséder du Hametz. On déduit de la halakha très très importante aussi, c'est que si je suis parti chercher le Hametz, je l'ai pris chez moi à la maison, mais que finalement le goy, il vient avant la fin de Pessah, il paye sa dette, il récupère son Hametz, on déduit de la Gemara, de la Mishnah, que le Hametz, il sera permis à la consommation. Vous avez compris la scène, je recommence. J'ai prêté 1000 shekels au goy. Je suis parti lui chercher ses pâtes et je les ai pris chez moi à la maison. Après Pessah, le goy vient et me rembourse la dette et récupère ses pâtes. Les pâtes, elles vont devenir permises à la consommation. C'est ce qui est écrit. Pour expliquer cette halakhala, parce qu'elle pose problème, malgré tout, parce qu'il s'avère que finalement j'avais du Hametz qui était chez moi, que j'ai acquis pour le moment que j'ai pris en gage, comment c'est possible? Il faut préciser une halakha. C'est que pendant qu'il était chez moi à la maison, malgré tout, je n'avais pas de responsabilité sur ce Hametz. Parce que si toutefois j'avais pris la responsabilité sur le Hametz, le simple fait de garder du Hametz qui appartient à un goy, même si je n'ai pas fait toutes ces histoires de picadone, de prendre en gage et en garantie, alors le simple fait de garder du Hametz du goy, ça m'engage déjà et je transgresse déjà l'interdit de posséder du Hametz. Vous avez compris la subtilité? Je reprends. Quand je prends du Hametz du goy, si je suis moi-même responsable de le garder, que si toutefois ce Hametz se perd, je dois le payer de ma poche, alors je transgresse l'interdit de posséder du Hametz. Et là, on ne parle pas de ce cas-là. On parle du cas où j'ai pris le Hametz du goy en gage par rapport à ma dette, mais si toutefois il y a un voleur qui vient et qui va le prendre, je ne lui dois rien au goy. Dans un cas pareil, alors là, on va s'intéresser à la question, est-ce que finalement le goy il est venu payer ou pas? Que si le goy il est venu payer, qu'il a récupéré son Hametz, on a le droit de tirer profit du Hametz. Si le goy n'est pas venu payer, j'ai gardé le Hametz, il s'avère que le Hametz c'était le mien depuis le début, et donc dans ce cas-là, j'ai transgressé l'interdit de posséder du Hametz à Pessah. Deuxième sujet de notre Mishnah, Hametz, chez Nafla Alav Mapolette, du Hametz sur laquelle est tombée dessus une avalanche, c'est-à-dire une maison qui s'est effondrée avec du Hametz qui est resté dans les décombres, en dessous. La Mishnah m'enseigne, Areou Kimvo Ar, il n'y a pas besoin d'aller te casser la tête à le chercher pour le détruire, il est détruit, il est considéré comme détruit. Mais vos arts brûlés, il est comme si qu'il a été détruit, brûlé, exterminé. D'accord? Pourquoi? On parle du cas où je ne prévois pas de lever toutes ces. Comment dire? De débasser toutes ces. Tout ça et de reconstruire la maison. J'ai l'intention pour le moment de le laisser tel quel. Il s'avère que tu as finalement du Hametz que tu as enterré sous les décombres. C'est bon? Il est brûlé, il a disparu de la planète. Il n'est plus à disposition, tu vas plus le récupérer. Malgré tout, le Bartan Noir nous dit que je dois quand même annuler le Hametz au cas où ça va me prendre mon Pessah de vouloir commencer à débarrasser un petit peu, à remettre de l'ordre dans cette maison détruite. Donc je dois quand même l'annuler. Mais j'ai pas besoin de partir maintenant me casser la tête avant Pessah à enlever toutes les pierres pour récupérer le Hametz et le brûler. Il est déjà détruit. Il a déjà été exterminé. Et sur ça, on a une précision. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Kol she'en akelev yachol lechapes achav. Attention. On ne parle que du cas où le kelev, le chien, ne peut pas le chercher, c'est-à-dire qu'on parle d'un ramesse qui a une profondeur à plus que 3 tefachim. Le kelev, jusqu'à une profondeur de 3 tefachim, 30 cm, il peut facilement, avec ses pattes, pousser les pierres et récupérer le ramesse. Donc en fait, si le ramesse, il est tombé, il est sous les décombres, sous l'avalanche, il est à une profondeur moins de 30 cm, on craint que qu'un chien va venir pendant Pessah et qu'il va le dévoiler, et du coup, il va posséder du Hametz. On parle que du cas où il a une profondeur de plus de 30 cm, que si tu ne prévois pas de débarrasser les pierres détruites, eh bien, hein, dans ce cas-là, tu peux te contenter d'annuler le Hametz uniquement, et tu n'auras pas besoin de tout défaire pour détruire le Hametz. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, salam.